bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de sélection. Nous voici revenus ce matin chez Thorazo pour la fameuse vente aux enchères à l'aveugle. Eh bien, on retourne voir ça et on regarde les poissons en question. Alors je vous emmène voir une vente de jeunes éleveurs. Donc c'est la première année que ça se fait à Nagaoka et ça va être donc la fameuse vente à l'aveugle. Donc chaque jeune éleveur emmène ses plus beaux poissons et on a des petites enveloppes où on met une offre dans les enveloppes. La plus grande des offres gagne le poisson. Alors là, on est arrivé chez Shinoda Koi Farm, donc spécialiste Iutsuri Doitsugo Sanke. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale puisqu'il a décidé de... grosso modo, c'est le plus rapide qui gagne. Donc on va vous montrer en vidéo ce que ça donne, mais il ramène une poche, chacun une épuisette autour, et c'est le plus rapide qui prend le plus beau poisson. Thank you.
Alors nous voici arrivés à la Marudo Koi Farm, il vient d'y avoir un arrivage, alors bah, vu que nous on était chez Shinoda, Kim a sélectionné pour nous des koaku. Je vais vous montrer ça, c'est plutôt très sympa. Je prends le temps de vous présenter les trois koaku qu'on vient d'acheter chez Marudo. On est sur trois koaku mâles, avec vraiment des qualités de peau extra. Donc ça reste du poisson haut de gamme sur des tarifs qui sont quand même très intéressants. On a des patterns très sympas, donc comme celui-ci. Toujours une qualité de peau au top, celle-ci aussi. Donc là, on voit, pour ceux qui connaissent, on voit la délimitation, ce qu'on appelle le sashi et le kiwa, qui sont vraiment très propres. On a des têtes bien larges, des bodies bien formés. Et puis, l'une de ces koaku sort du lot, c'est celle-ci. Là, on est vraiment sur une qualité concours. Donc là, on a un poisson qui est beaucoup plus grand. Toujours une qualité de peau superbe, mais là, on est vraiment au-dessus. Donc, vous les retrouverez sur le site très rapidement, photo individuelle. Et je vous dis à tout de suite pour une explication d'un nouveau bol. Salut! Allez, de retour chez Ikarashi Toshinobu avec l'arrivée de quelques disai. On va voir ce qui rentre dans la serre. Alors, on n'était pas encore venu chez Maruhiro. Bah, c'est chose faite. Donc, bon, un petit tour quand même pour le plaisir.
Allez, on termine la journée comme on l'a commencé, chez Thorazo. Donc, il reste des poissons, et même des très très beaux. On va les voir. Et puis, pourquoi pas en prendre. Eh bien voilà, de retour à la chambre d'hôtel. J'ai pas pris le temps de faire la dernière vidéo en sortant de chez Thorazo, mais comme vous avez pu le voir, on a été bien occupé. Et puis on a fait donc deux très très beaux poissons, donc le shoa qui est vendu et le koaku qui est toujours à vendre. Je vous dis à demain dans une nouvelle journée de sélection avec Manu Coy. Salut, bye.